Salut tout le monde, c'est Argon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rogue Legacy pour l'épisode 6. Donc là on va choisir le personnage, voilà. La dernière fois on avait essayé d'affronter le boss, bon, on s'était un peu fail tous les essais, donc on va peut-être en réessayer juste deux ou trois. Et puis voir après sinon trouver d'autres éléments dans le donjon, vu que de toute façon on a notre architecte pour sauvegarder. Lui il fige les ennemis à l'écran, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Hop, nickel. Et là, voilà. Du coup, on a ça. On a 0 pièces. Et du coup, voilà. On verrouille le château. Nickel. Oh putain, il y a un traîneau du Père Noël qui est passé juste derrière, sur l'écran. Bon, je vous montrerai un petit screen à l'écran là, mais du coup, il y a le traîneau du Père Noël qui est passé juste en screen. Enfin, qui est passé juste à l'écran, pas longtemps. Donc, ouais, hop, on va direct voir le boss. Est-ce qu'on est meilleur qu'avant? Je sais pas. Là, on peut figer les ennemis à l'écran, en tout cas. Donc, ça devrait être un atout. Voilà, alors, le boss Kid, est-ce qu'on va réussir? Je pense pas en vrai, mais du coup, voilà. On va voir. Je sais pas combien de fois je peux utiliser ma capacité. Hop. Merde, il peut renvoyer. Oh, c'est un salaud. Ok, putain. Je fige les ennemis à l'écran, ça fiche pas tout. Putain, c'est nul. Il y en a un autre, ouais. On va bien voir jusqu'où fonctionne le fiche les ennemis à l'écran, parce que là, c'était vraiment nul. Ah, on a fait un vol de Superman quand même, là. C'était super nul. Ah, parce qu'il y a quand même des ennemis qui sont restés en mouvement. Donc, bah, c'est une arnaque. C'est comme le passeur, là. Putain, enfin, lui, il nous prévient, mais... Ah, bordel. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Là-haut. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'il nous faut, donc le tuer? Je pense que ça peut... On va essayer de voir son attaque, si on peut résister à la première. Oula. C'est ce type d'attaque. Hop. Hop. Voilà. Oh putain! C'est ce qu'il me faut. Nul comme je suis. Hop. Hop, hop, hop. Et... Oh putain! Allez. Hop. Merde, je peux plus figer les ennemis à l'écran, faut attendre. Oh non, je suis mort. Ok, je sais. Je sais ce que je vais devoir utiliser après, mais dès que j'aurai un meilleur pouvoir, c'est le mec qui fige les ennemis à l'écran. C'est obligé. Bon, alors là, du coup, on va pouvoir essayer d'être au bout de feu. On va essayer de retourner, trouver des mobs et tout, et puis peut-être les autres boss aussi. Bon, ils sont peut-être plus forts, mais du coup, au moins, trouver du fric. Parce que là, on n'a pas assez d'équipement pour l'affronter, vu mon niveau. Après, si j'avais été plus fort, on aurait pu, mais pas là. Donc là... Oh putain, j'ai oublié de sauvegarder. Je suis con. J'ai oublié de passer par l'architecte. Bon, ok, de toute façon, on a perdu le boss. Bon, en tout cas, on sait comment l'affronter après. Ok, je déteste ces monstres maintenant. Mais bon, ça va, je sais les gérer un peu. Hop. Allez hop, on se casse. Hop. Et là, on descend à nouveau. Hop. Voilà. On va sans doute le trouver. Et on a... Yes. On a un peu d'or. Oh yes! Je peux comme ça monter un peu. Hop. Et là, bon, on va attaquer celui-là. Allez. Oh, nickel l'attaque. C'est le bouclier de feu. Et ouh, ça détruit même les... Ok. Oh, putain, mais c'est tellement fort. Aïe.
Ah, je suis mort. J'ai oublié de sauter. Mais du coup, j'ai quand même assez de pièces pour pouvoir. Hop, on va pouvoir prendre un autre élément. Donc là, hop, la hache. Voilà pour lui. Ensuite, on va. Oh putain, non, il voit flou. Ok. Là, nouveau. On a. Poids et tout, ok. Là, on n'a pas d'armure. Là, non. E pour équiper, je crois. Non, c'est pas ça. Ici non plus. On a juste épée de l'écuyer. Ok, voilà. C'est voilà, sélectionné, c'est équipé. Logiquement. Ah, ah non, ça c'est son attaque. Ah ok. Bon, on va sauvegarder comme ça, on va l'agrandir au fur et à mesure. Et puis on pourra trouver le boss au bout d'un moment. Voilà, nickel. Allez, merci. Putain. Chiant quand même cette vision. Ouais, est-ce que par rapport à la génération, ça te fait sur le moment ou ça génère avant? Je crois que ça te fait sur le moment, du coup là, les salles générées sont pas les mêmes que si on avait continué tout à l'heure. On voit quasiment rien. Et du coup là, c'est le même mob. Avec les autres mêmes mobs ici. Et là, hop, bon, on est déjà passé par là du coup. Est-ce que il y a à nouveau le coffre? Je me pose cette question quand même. Ah, il est ouvert. Bon bah, autant prendre des ennemis. Voilà, autant prendre cet ennemi là-haut. Hop, nickel. Merde, c'est vrai. Putain, lui, il fait des dégâts même juste dès qu'on le touche. Enterrez-moi avec mon argent. Putain. Dernière parole. C'est vraiment un roi, ça. Vraiment un roi. Là, que 24, ok. On va pas améliorer. Mais du coup, pour le moment, on a amélioré pas mal de trucs. Voilà. Et là, on va essayer d'aller de l'autre côté. Parce que tout à l'heure, on est allé à gauche à cause du monstre. Là, on va aller à droite. Parce qu'on va peut-être trouver un monstre, enfin, un boss à droite. Bon, en soi, le boss, on va pas l'attaquer maintenant. Sauf si c'est pas l'œil, en fait. Si c'est l'œil, bon, on va pas l'attaquer maintenant. Mais bon, on va bien voir. Donc, afficher la carte à tout moment. Tab. Et là, ok, vas-y. Non, ouais, je saute comme ça à l'arrache. Oh putain, j'ai juste envie de découvrir un territoire là. Hop. Oh putain, non, c'est quoi ces mobs? Ok. Ok, putain, ils en ont le double là. C'est affreux. Oh, c'est affreux. C'est abominable. J'ai pas envie de les attaquer pour pas perdre de cœur et puis là, je suis quasiment fort. Oh, à l'envers. J'aime bien les mecs à l'envers. Hop. Oh bon, bah voilà, allez, c'est parti. On y va à l'envers. On n'oublie pas l'architecte. Voilà l'architecte qui nous sauvegarde la map. Et on peut continuer. Donc, hop, le passeur. Allez, la map à l'envers, c'est toujours plus fun. Voilà, comme ça on prend la masse de pièces. Hop. Et, par contre, ouais, merde, c'est le même endroit que tout à l'heure, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que là, et du coup, ouais, les pièces sont plus au même endroit. Merde, on va découvrir un autre endroit, de toute façon, là. Putain, ouais. Allez. Oh, critique. Allez, toi, meurs. Oh, je suis mort. Bon, bah. Et du coup, ça fait la lumière par le bas, et puis l'âme descend au lieu de monter. L'âme en enfer, en fait. Le marque.
Marc, bon, on n'a que 12 pièces d'or. On peut pas améliorer grand-chose. Donc, on va juste sauvegarder la map à nouveau. Voilà. On est niveau 8. On n'est pas encore niveau supérieur. Donc, il va falloir. Pour les niveaux, je crois que c'est les améliorations de d'architecte et tout. Enfin, dans architecte, il n'y a pas d'amélioration. Mais améliorer sa vie, etc., je crois. Donc, on va bien voir quel niveau on arrive. Hop, voilà. En fait, lui, il faut mieux le gérer. Voilà. Putain, c'est quand même galère là. C'est chiant. Hop. Oh, je suis mort à cause de. Ouais, je suis mort à cause d'un projectile. D'un œil, toujours. Je vais détester les yeux. Ah. C'est quoi cette arme? Cette arme m'intrigue. C'est. What? Oh! Et là? Non, ok. Ouais, ça fonctionne pas pour les attaques du bas. Ok. Sauf si on teste, genre, on peut tester. Tac. Merde. Oula. Ok. J'ai réussi à en poser une, j'ai cru que j'en cassais en fait. Genre dès que je faisais ça, j'avais cru après. Ah, faut attendre un peu. Oh merde, faut prendre des pièces. Oh, j'ai oublié de sauvegarder la map. Oh, quel couillon. Quel couillon. Faut que je sauvegarde à tout moment. Hop. Ok, bon. On va là. Et là, vas-y, viens. Ouais. En fait, non, viens pas. Oh, putain. C'est trop galère, ce truc. C'est beaucoup trop galère, ce passage. Ouais, bon, la map était pourrie, je vais changer de map, là. Je vais pas sauvegarder volontairement. Elle était trop nulle. C'est pas que j'ai rage, mais t'es bouton et tout petit. Nanisme et homosexualité. 180 d'or. Attaque plus. Entraînez-vous comme il faut pour renforcer vos muscles. Ah, bah ça, c'est utile. Ça va être utile, ça. Tout minuscule. Ah oui! Putain, bon. Est-ce qu'on va réussir à trouver notre boss? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on essaie de le retrouver. Mais en tout cas, là, il nous faut au moins une amélioration déjà. C'est tellement petit que c'est galère à tout casser. Et on a quoi comme attaque? Boule de feu? Ok, cool. Oh! Oh, c'est cool ça. Oh putain, oh, c'est trop puissant en fait. C'est beaucoup trop puissant. Trop de puissance dans une attaque. Beaucoup trop. C'est overcheat. Hop, la petite statue à détruire. 150 d'or. Ah ouais, mais du coup, il faut récupérer. Oh! Récupérer des points de MP. Quand même, il saute plus haut que les autres, du coup. Enfin, on a l'impression qu'il saute plus haut. Lecture en cours. Oh, c'est une musique. Oh, ils ont mis des casques à musique. Enfin, des bandes de musique. Des jukebox. Oula. Oh. Ah merde. Ah ok, ça détermine la. Oh merde. Ok. Le nombre de pouvoirs, enfin de points d'attaque spéciale détermine la puissance de cette attaque-là. Ok. Peut-être pour les autres, c'est la durée du coup. Pour le truc d'invisibilité. Bon, on en fait une petite dernière. J'espère qu'on va pouvoir améliorer des trucs au moins. 160. Ah bah voilà. Le mana. Ok, voilà, ok. On améliore ça. Et du coup, faut que j'aille voir juste un truc. C'est ça. 10. Non, appuyez sur A pour bloquer tous les dégâts. Ah, ok. Chevalière. Transformez vos chevalières en paladins de terribles combattants de première ligne. Appuyez sur A pour bloquer tous les dégâts. Ok. Bon.
Je sais pas ce que ça va faire exactement. Toi, est-ce que je te... Oui, on va dire que je te sauvegarde. Et je vais éviter de perdre. Donc je vais faire en sorte de sauvegarder à chaque moment. Parce que sinon, on est mal barré. Lui aussi, il voit flou, j'ai l'impression. Ou alors, il a juste une nuée noire à côté de lui. J'ai l'impression qu'il voit flou. Donc, hop. Ça, c'était juste un texte, on est d'accord, ouais. Extrait de journal 1. On sent... Oh! On a quoi? Une salle là-haut. Hop, là. Ah oui, c'était notre jukebox. Ok. Parce que là, sinon, on a quoi d'autre? Bon, on n'a rien pour le moment débloqué. Donc, pourquoi pas déjà aller à droite. Hop, yep. Hop, faut découvrir un max de territoire là. Hop. Et yes! En fait, faut avoir le maximum de pièces là maintenant. Putain, ouais. Bon, ok. Tac. Ouf. C'est galère ce truc là. Ok. Allez. Hop, yes. Et nickel. Et je crois qu'on peut pas taper ça. Ok, ouais, on peut rien y faire là. Allez, c'est parti. Là, on est bloqué à droite. Ouais, c'est bloqué. Il n'y a pas la moyen de passer. Et là. Okay. Ah ouais, du coup, ça répète les schématiques là. Du coup, on peut les retaper comme ça. Vas-y, reviens. Oh putain, non. J'ai envie d'éviter ça. Oh, Flammy. C'est quoi Flammy? C'était un boss? Ah, par un Flammy, ok, c'était sa vie. Putain, parce qu'on voyait de la vie en haut, donc je me suis dit. C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo, donc voilà. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, pour le Star Defender, il est sorti une journée en retard, du coup il sortira aujourd'hui. Il est déjà sorti aujourd'hui normalement. Du coup voilà, donc je l'ai expliqué sur Discord, c'était un imprévu. En vrai c'était un salon de l'étudiant imprévu que je le savais juste le matin, qui m'a pris toute la journée. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le like, évidemment. C'était Narbo. Tchuss!